Hey, salut tous les amis, c'est Faux de la chaîne Café Gaming, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, moi ça va très bien avec une petite surprise à vous faire présenter. Voilà, je suis derrière avec un fond vert. Voilà, derrière moi il y a un fond vert, donc c'est la première fois que vous allez me voir en fond vert. Et mais il n'y aura pas que les vidéos, mais il y aura aussi les lives. Donc les lives fond vert, bien sûr. Et donc aujourd'hui, comme la plupart l'ont peut-être regardé, même mon live sur le State of Play, bien sûr. Aujourd'hui, on va découvrir tous ensemble la démo de Medieval, bien sûr. La démo dont cette démo va nous offrir l'un des casques que Sir Daniel a dans la version japonaise. Donc, moi, j'ai hâte d'y jouer, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, tiens, je vais faire une vidéo. Au départ, je voulais donner mon avis, mais en fait, j'ai envie de faire la vidéo. Je vais faire vraiment la démo complète avec vous. Donc c'est parti, on appuie dessus, voilà. Medieval, et je l'ai précommandé ce jeu, donc j'ai hâte de le recevoir. J'ai vraiment très très hâte de le recevoir ce jeu. Je l'ai précommandé en dématériel, donc édition de luxe, dont des avatars et une armure spéciale. Donc j'ai vraiment très très hâte d'y jouer à sa sortie. Il y aura possibilité que je vous fasse des lives dessus. Et peut-être en plusieurs chapitres, peut-être. On finira vraiment ensemble le jeu. Et ça me donnerait vraiment envie. Et je salue aussi au signal. Au signal, au plus vite, vite fait, à mon ami Yenul, lui qui est fan de Medieval. Il y a très longtemps, dans le royaume de Galomère, vivait un sorcier appelé Zarok. Cet homme, arrogant et sans pitié, haïssait ses concitoyens pour leur vie calme et leurs mœurs paisibles. C'est pourquoi il leva une armée de démons et partit à la conquête du royaume. Le champion du roi, Sir Daniel Fortesque, mena les troupes dans la bataille contre cette horde d'hérétiques. On chante encore ses prouesses pour célébrer la manière dont il dirigea la puissante charge contre les ennemis maudits. Bâtit en défaite les démons, les fauchant un par un, et la manière dont, bien que mortellement touché, il parvint à totalement anéantir le sorcier. Le nom de Fortesque fut dès lors associé à celui du héros de Galomère. Et la paix s'instaura pendant 100 années, jusqu'au jour où le sorcier réapparut. L'introduction de Medieval. Et je disais, oui, donc je fais une dédicace à Yenul, voilà, qui est vraiment fan, qui est un fano de Medieval, donc il a fini le premier, hein, bien sûr. Il a fait même fini à 100% la version japonaise, il l'a fait en vidéo, hein, sur la vidéo de Nexus, voilà. Enfin, franchement, les cinématiques sont magnifiques, hein, pour un remaster, franchement. Sony Interactive Entertainment présente. Oh, franchement, comparé à l'original, franchement, magnifique. Hein. Franchement, magnifique de vue. J'espère que Yenou va peut-être la prendre. J'espère. Parce que c'est. Vu qu'il est fan de Medieval. C'est son jeu favori, en plus. Je crois qu'il est lisible en 4K HDR si je dis pas de bêtises. Ah, il va sortir son sort. Bon, il va transformer tous les gens en monstres et réveiller les morts vivants.
de vivre. Franchement, ils ont bien fait pour un remaster. Franchement, ils ont vachement géré, quoi. T'as vraiment du Tim Burton ce truc, c'est totalement du Tim Burton. Hein. Ah bah tiens aussi je salue l'ami Barjo hein. L'ami Barjo aussi qui est fan de Medieval aussi tu vois. Alors Yenou les Barjo ils sont vraiment fans de la série Medieval hein. Ah oui quand même il y a le 60 fps hein. Alors ça se voit sur mon écran, il y a le 60 fps. Sur mon écran, ça se voit le 60 fps. En boîte d'acquisition, il n'y aura pas le 60 fps. Vous voyez peut-être le 30 fps. Mais à mon écran, je suis en 60 fps. Parce que la boîte d'acquisition, la Vormedia, il fait que du 30 fps. Alors, Medieval, les options. Alors, vibration, luminosité, paramètres de daltonisme. La langue du système, établir l'instruction et machin, ok. Prendre les commandes, touche des commandes, ok. Donc sauter. Parce que je me rappelle, moi, le premier Medieval pour sauter, je crois que c'était triangle, si je disais pas de bêtises. Bloquer. Ok, caméra de Dan, ouais. Ok. Bon, bon. Allez, c'est parti. Une nouvelle partie. Ah là là. Fortesque. T'as la main, on dirait la chose. C'est la chose. La famille Adams. Ah, tous les morts sont sous le bout. Là. Que voit-on? Les plus dans l'œil. C'est pour ça qu'il manque une œil à Sir Daniel. Ah putain. Oh trop génial. Trop génial la gueule. Ah il est trop génial pour un remaster. Franchement il a une bonne gueule le Sir Daniel. Il a une bonne gueule quand même pour le remaster. Mais j'espère que le Yenou va le prendre. Hein. Sir Daniel Fortesque est ressuscité. Voyez, le héros de Gallomère tombé dès la première charge. Le voile de la guerre et les linceuls. Je crois que c'est les mêmes doublages que l'on entend sur PlayStation 1. C'est une doubleur. Soldat en sauveur. Nous savons ce qui s'est vraiment passé. Tu verras bien. Laissez-le donc en paix. Le destin lui a donné une seconde chance, celle d'oublier l'affreuse vérité, de vaincre Zarok et de s'élever enfin à la hauteur de la légende. Souhaitons-lui bonne chance. Une chance, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr qu'il faut lui souhaiter une bonne chance. Ouais, c'est bien. Alors, c'est parti. Ouais, voilà déjà. Alors, par contre, l'axe de caméra n'est pas génial. Vue inversée, voilà. Par contre, c'est vrai, ouais, c'est l'axe. Aussi l'axe, elle est pas. Ouais, il y a juste la vue inversée, mais l'autre, tu peux pas.
tu peux pas changer. Un peu. Les trésors que tu dénicheras s'ajouteront à tes gains. Oh. Tu pourras t'en servir pour acheter des objets aux cupides gargouilles marchandes. T'as déjà le marchand? Non, c'est déjà. T'as déjà le marchand, non? Ah, ils ont mis des livres, un peu tutoriel. Tu trouveras des flacons de vie partout dans Gallomère. Ils contiennent la même magie que celle qui t'a éveillé de ton long sommeil, et ils peuvent te ramener à nouveau à la vie. Quand tu vois que ta santé est basse, utilise un flacon pour te requinquer un peu. Et surtout, n'oublie pas de le remplir dès que tu peux. Ok. Vache, par contre, ta manette, elle vibre à mort. Tu te sens enfin prêt à quitter la crypte? La sortie t'attend au bout du couloir. La tête de Cervalier, quand il regarde. Pour déverrouiller l'accès, tu dois te munir d'une pierre runique et la déposer dans la main dorée que tu trouveras près de l'embrasure de la porte. Ok. Je sais qu'il y a un... Franchement... Franchement, il est... Il est beau, hein, quand même, pour une version HD, hein. Certaines armes sont empreintes de pouvoir et de capacités extraordinaires. N'oublie pas de tester chaque arme afin de découvrir sa capacité secondaire. Certaines capacités sont à effet immédiat. Mais d'autres peuvent avoir besoin de temps pour se recharger et atteindre tout leur potentiel. Alors, appuie sur okay, la pierre, voilà. Hop. Le bouclier. Et l'épée. Au cours de tes pérégrinations à travers Gallomère, tu amasseras de nombreux objets. Pour y jeter un œil ou en utiliser un, ouvre ton inventaire. Tu y trouveras également le grand livre de Gallomère, qui répertorie tous les habitants que tu as pu rencontrer et qui octroie un savoir précieux, comme seule une voix désincarnée est en mesure de le faire. D'accord. Donc, appuie sur l'inventaire, sur pavé tactile. Donc là, t'as le pavé tactile, ouais. Alors, je sais plus c'était quelle touche pour rusher, je crois. Ah non, c'était... Je crois que c'était un pouvoir pour rusher. C'était une touche pour rusher avec... Il y avait une touche pour rusher, je crois... courir avec Sir Daniel, je me rappelle même plus, mais je crois que c'était un pouvoir, je me rappelle plus, faut que j'essaie d'en parler avec Inoul. Mais bon, le jeu sort le 25 octobre, donc voilà, donc le truc de Daniel, et nous allons au cimetière. Oh, quand même, c'est putain, franchement, il est magnifique, hein. Même la carte, franchement, elle est magnifique dans son remaster. Ah oui, alors en dessous il y a l'anglais. Take your first sips of. Ah, ils ont pas été encore traduits, à mon avis. Je crois qu'ils ont pas été encore traduits les astuces. Ils ont pas été encore traduits. Alors, le cimetière. On va pas trop ouvrir les livres parce que ça perd des fois du temps. Alors, c'est bien, tu peux jouer comme ça aussi. Bon. Ah. Je m'habitue parce que moi j'ai plus l'habitude des anciennes touches. Mais je sais que sur la première PlayStation c'était la touche triangle pour sauter et la touche croix c'était pour taper, attaquer. Ouais. Hop. Ah, franchement, niveau graphisme c'est vraiment magnifique. Oh. Voilà. Ah, tiens. Hop, la petite pierre. Voilà. Alors. Hop. Non, on est déjà à 21%. Alors ça c'est la... Ah bah tiens, la fontaine de jouvence. On a trouvé la fontaine de jouvence. Ça va à distance. Une pierre. Voilà, encore. Ce sous, alors les sous ça servira pour les marchands, comme il avait dit Yenoul, je me rappelle dans ses vidéos sur la PlayStation,
sur Medieval, bien sûr. Bientôt, il y aura Medieval 2 qui le fera peut-être bientôt aussi. Ah, oula! Je fais des zingues quand même. La Kenny c'est là. Je me rappelle bien. Là, la Kenny soit. Par contre, ouais, on pourra pas faire le glitch comme on passait au-dessus. Il y avait un glitch pour passer, je sais plus comment. Soit au-dessus, je vous dis. Entrez dedans. En fait, j'aimerais bien voir. Alors. Il n'y a pas. Ah non, il n'y a pas le. J'aurais aimé savoir s'il y a le casque de Saint Daniel. Mais à mon avis, je crois qu'on le débloquera à la fin du jeu. De la démo. Fin de démo. Hop, voilà. 92, 96%. On va t'étaler là-bas. Et il me semblait qu'on pouvait courir avec. On avait un espèce de run avec Saint Daniel. Alors ça c'est. Ouais, ça sera plus tard, ça c'est. Ça sera plus tard, à mon avis. Hop, tu peux récupérer la calice, voilà. C'est de chercher la calice. Donc la calice qui est. Qui te servira à la fin de niveau. Voilà. L'eau des héros t'attend. Voilà. Comme disent. Comme dit bien. Voilà. Le hall des héros t'attend. Voilà. Oh, il y a des trésors. C'est comment pour là. Je m'en fous. Oh. M'en fais plus. C'était comme ça. Il me semblait que c'était comme ça. Ah. Il me semblait bien. Il me semblait bien. Alors, hop. Je crois que c'est le même endroit, en fait. Ouais, voilà, j'avais bien raison. Même endroit, voilà. Oula. Franchement, il a quand même une bonne gueule. Voilà, tu vois, voilà ça, voilà. Donc, voilà, tu peux faire des achats là-dedans, mais bon, ça ne sert pas grand-chose. Ça ne sert pas grand-chose, donc voilà. Donc les petits trucs comme ça, voilà, c'est pour les achats, voilà. Donc ça ne sert pas grand chose, hein. Là j'ai déjà 99 poignards, donc c'est assez suffisamment, je crois. Mais les poignards, c'est pas ça qui va nous plus nous intéresser, parce que c'est voilà. Hop, on va aller à la fontaine de Juvence. Voilà, la petite fontaine de Juvence. Ça ralentit, ouais, c'est moi ou c'est il y a un petit peu de ralentissement sur PS4 Slim. Après, je suis pas sûr que ce soit une pro, que ce soit pro ou normal, je suis pas sûr, mais bon. Ah, oui, dire qu'aussi, je crois que Saint Daniel ne sait pas nager. Hein, si je dis bien que, ah, d'accord, d'accord, merci d'avoir joué, ok. La démo, on l'a fini, voilà. Et donc, moi, je l'ai précommandé, voilà. Moi, je l'ai déjà précommandé. Voilà, édition Deluxe. Je l'ai déjà précommandé dans 29 jours. Dans 29 jours. Et là, comme on a terminé la démo, on aura ce mystérieux casque. Il y a très longtemps. Ce mystérieux casque
en bonus qu'on aura le jeu à sa sortie, quoi. C'est wow. C'est ouais, enfin, je sais même pas combien de minutes on est. Bon, après, on est laissant tous les cinématiques, etc. C'est voilà, c'est franchement, ouais, c'est super, franchement, superbe, super, franchement. C'est en plus le premier niveau, donc le premier niveau dès que tu commences le jeu, quoi. Et franchement, c'est magnifique, franchement, il est magnifique. Franchement magnifique pour une démo. Voilà, on le teste. Voilà, franchement, on l'a bien testé. Hop, 98-2019 quand même. Ah, il a 21 ans quand même le jeu. Hein. Dites-vous qu'il a 21 ans déjà. Premier mini-ville. Ouais. J'espère qu'on va peut-être faire un speedrun sur cette démo. Je sais pas. On va peut-être faire un speedrun. Alors, conversation. Ah, tu peux zapper. C'est bien. Tu peux zapper. Hop. Alors ça, le mur là, ce sera un peu plus tard. Mais bon, on verra ça quand on aura le jeu final. Hein. On aura le jeu final. Mais franchement, ouais, franchement, Medieval là, la démo, franchement, elle est bien. Bon, j'aurais, ah merde, j'aurais dû peut-être appuyer sur la touche du papier tactile pour savoir si il y a le casque de Sir Daniel. Ah. Cimetière. Première calice. Bon. Donc les calices, en fait, il faut aller au rôle des héros. Donc dès que t'as fini le niveau, ça te mène au rôle des héros. Et dans le rôle des héros, tu dois trouver la personne. Tu dois la calice. Et la personne en question, donc il va te donner une récompense. Dont des armes et voire de l'argent. Hop. L'entrée machin, ça sert à rien de lire des livres. Bon, vivant quand même, ils sont coriaces, hein. Ça reste franchement le jeu, franchement, il a très bien travaillé. Franchement, ils ont très bien travaillé ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment bossé bien, ils ont vraiment très bien bossé dessus, quoi. Daniel, le sœur Daniel, traduit, très bien fait en plus. Hop. On va pas chercher le trésor, ça sert à rien. On va pas chercher le trésor. Bon, la calice, on peut le chercher, mais bon.
Hop, la Calice. C'est vrai, il y avait un ennemi qui a voltigé quand je l'ai frappé dessus. Hop, le hall des héros t'attend. Franchement, quand même, c'est vrai que le Medivh, franchement, ça, même la version PS1, il a quand même vieilli, hein. Il a quand même vieilli, mais il reste toujours magnifique à jouer. Et j'espère qu'il y aura peut-être des glitches. je suis vraiment salopard de dire ça, mais je suis sûr qu'il y aura peut-être des glitches. Il y aura peut-être des glitches comme la version PS1, je sais pas, je suis peut-être pas sûr, mais bon. Je suis peut-être pas sûr, mais bon, voilà. Donc, voilà, donc, on va encore zapper, hein. On va encore zapper l'introduction. Mais franchement, ouais. Toi, même en speedrun, tu peux le faire, la démo. La démo, tu peux le torcher en speedrun. Donc, le casque, il sera offert quand le jeu sera annoncé, donc à sa sortie... le 25 octobre. Donc la démo elle est disponible là, donc on est le 25 l'heure que je tourne, donc le 25 septembre, et il sera disponible jusqu'au dimanche 6 octobre pardon. La démo sera disponible jusqu'au 6 octobre, donc si vous voulez à tout prix avoir le casque bonus de Sir Daniel Fortesque qui est visible dans les versions japonaises, et voilà, je vous conseille je vous conseille franchement je vous conseille, voilà. Donc moi c'est vraiment magnifique, voilà ce que j'ai envie de dire. Medivh, franchement il est magnifique, il restera toujours magnifique, franchement, même pour un remaster, franchement il est magnifique, et j'ai hâte d'y jouer le 25 juste pour vous. Et pourquoi pas vous faire en live, épisodiquement, on va dire à plusieurs chapitres, en plusieurs chapitres, et ça serait vraiment génial que je vous le fasse en live, si vous voulez, si vous voulez, mais essayez de mettre un commentaire. Mais moi, je vous le dis tout de suite, il y a possibilité que je vous fasse en live ce jeu, et ça serait trop génial de vous faire en live. Donc voilà. Donc sur ce, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Et moi, sur ce, je vais vous laisser avec Sir Daniel, bien sûr. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis, pour une prochaine vidéo. C'était Flo de la chaîne Café Gaming. Buvez du café quand même. Buvez du café quand même, mais pas trop. Mais bon, voilà. Allez, sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, mais surtout commenter. Et je vous dis peut-être à la prochaine. Et... je vous dis possible, voilà, je vous dis possible que oui, on fera un live sur Medivh à sa sortie, donc le 25 octobre. Donc sur ce, les amis, je vous laisse. Moi, je vous dis à la prochaine sur Café Gaming. J'en redis deux fois, je le sais, c'est normal. Allez, sur ce, ciao les amis, bye. Café Gaming. Ici, on ne sert pas que du café, on parle jeux vidéo.